Nous pouvons faire jouer grâce au shalom que je te demande d'acclamer très fort. Acclame plus fort, acclame plus fort, le roi des rois. Acclame Jésus pour son serviteur. Merci pour ta présence. Merci pour cette présence qui nous fait du bien ce soir. Nous voulons te rendre gloire et honneur parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Tu es parmi nous. Et tu nous fais du bien, Seigneur, au travers de ta présence. Tu nous fais du bien au travers de ta présence. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta Seigneurie. Merci pour ta Seigneurie. Merci de bénir cette rencontre ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus que je prie. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais sentir un amen puissant. Alléluia. Amen. Je vais voir un amen vivant. Un amen vivant ce soir. Alléluia. Je vais sentir un amen puissant. Alléluia. Amen. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les enfants du roi des rois. Amen. Nous sommes les fils du royaume. Amen. À cause de nous, Jésus-Christ a vaincu la mort. À cause de nous, Jésus-Christ a vaincu la maladie. À cause de nous, Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie. Aucun démon ne peut avoir la victoire sur la vie d'un véritable enfant de Dieu. Et nous sommes des véritables enfants de Dieu. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils du royaume. Je vais proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils du royaume. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. 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 Vous simple, bizarre, quoi. Dis à quelqu'un, tu es béni. Nous sommes les filles du royaume. Alléluia. Amen. Nous sommes les hommes les plus bénis. Parce que nous avons le roi des rois dans notre vie. Nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Et celui qui a Jésus-Christ au-dessus de la mort, celui qui a Jésus-Christ au-dessus de la maladie, celui qui a Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Amen. Notre Dieu est vivant. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia! Est-ce qu'on peut l'acclamer? Une nouvelle année en train de s'annoncer. Et cette année sera une année de gloire pour chacun d'entre nous. Amen. L'année 2017 sera une année de gloire pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils du royaume. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous sommes les fils du royaume. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, nous sommes les fils du royaume. Est-ce qu'on peut l'acclamer Jésus-Christ ce soir? Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alors, qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. 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 Dis à quelqu'un, je suis émerveillé. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est merveilleux. Dis à quelqu'un juste à côté de toi. Ma pio, ye to do ani no na gara ko usio. Ma pio, ye to do ani no na gara ko usio. Ma pio, ye to do ani no na gara ko usio.
quelqu'un, que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Fais saluer ton voisin et dis-lui que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dieu est content d'être dans la présence de Dieu. Amen. Acclamer fortement. On peut l'acclamer. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons passer aux séries de témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer aux séries de témoignages. Et je pense que ça édifiera chacun d'entre nous. Afin de comprendre que Jésus-Christ est encore le même, il est vivant et puissant pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Ce qui m'a conduit dans le christianisme, c'est un miracle de Jésus-Christ. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Que Jésus me guérisse d'abord avant de croire en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand Jésus-Christ a fait un grand miracle, la transformation de l'eau en vin, que les disciples ont cru en Jésus-Christ. Ils le suivaient mais ne croyaient pas en lui. C'est quand ils ont vu Jésus-Christ faire des miracles, ils ont cru en lui. Les miracles sont encore d'actualité. Et les miracles sont là pour nous édifier. Pour montrer que Dieu est encore vivant et puissant. C'est cela que quand quelqu'un dit tu cours après les miracles, il faut être fier. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui fait les miracles. Il faut courir après parce que même les sciences, les scientifiques ne peuvent pas opérer un miracle. Ils ne peuvent pas parce que le miracle, il dépasse le surnaturel. Il dépasse le naturel. Il est surnaturel. C'est pour cela que sans Dieu, il n'y a point de miracle. Alors si tu as une situation compliquée, il faut un miracle. Ah, s'il y a une situation que tu ne comprends pas, il te faut un miracle. Donc on le cherche pour le trouver. Bartimée, c'est parce qu'il a cherché le miracle qu'il a obtenu. Jésus-Christ s'en foutait de lui. Pendant qu'il était aveugle, il était en train de mendier. Pendant qu'il passait, il a fallu que Bartimée crie, fils de David. Et les gens l'ont empêché. Ils l'ont empêché de crier. Et ça a interpellé Jésus. Si vous vous asseyez, vous n'allez jamais voir Dieu agir dans votre vie. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. On ne baisse pas les bras. L'espoir est encore permis dans le Seigneur. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut régler. Parce qu'il est le spécialiste des cas impossibles. Ce qui est possible aux humains est possible à Dieu. C'est vrai qu'on peut te déclarer une nouvelle qui va peut-être t'attrister, t'abattre. Mais ça, c'est une parole venant d'un être humain. Ça, c'est une parole venant d'un être humain. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Jésus-Christ, face à cette situation de la mort de Lazare, de Jean Sévelli, va dire à ses sœurs une seule chose qui va les bouleverser. Si tu crois, tu verras encore la gloire de Dieu. Amen. Oui, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. L'espoir est permis. Vous avez affaire à un Dieu. Vous avez affaire à un Dieu. Nous avons affaire à un Dieu puissant. Pas un Dieu faible. Un Dieu puissant. Dieu, il est vivant, il est puissant. Je vous dis la vérité, Dieu est puissant. C'est ça que je le sais. Si Dieu n'était pas puissant, jamais il allait prendre le micro et le servir. Parce que la première condition pour dealer avec Dieu, pour que Dieu, pour que je le serve, il fallait que Jésus-Christ se réveille à moi. Pas un si puissant qui me guérisse de cette maladie dont je souffrais, menacé par la sorcellerie. Amen. Amen. Donc si on vous dit, vous courez après les miracles, c'est normal qu'un homme doit chercher un miracle. La femme qui avait peur du sang, elle a couru après le miracle. Elle ne s'est pas assise à la maison. Elle dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Et le miracle, on le cherche. En cherchant véritablement Dieu. Et c'est ça le miracle. C'est parce qu'elle a touché Jésus. Par sa foi, elle a cherché le miracle. Elle a obtenu donc son miracle. Si vous êtes assis, jamais vous n'allez obtenir un miracle. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche pour changer nos conditions de vie. Parce que chacun d'entre nous a une destinée. Et la sorcellerie peut brouiller et détruire toute ta destinée. Personne n'est né ici, sur cette terre, par hasard. Le hasard n'existe pas. Ça n'existe même pas.
Chacun d'entre nous, il y a un plan né pour chacun d'entre nous. Tu es né et tu as une vie, il y a quelque chose auquel tu es destiné. Tu es appelé à quelque chose. Et bien sûr, Dieu met les champions au monde. Dieu ne met jamais de vauriens au monde. Quand vous regardez la naissance de Jésus-Christ, quand Jésus est né, il y a une étoile, symbole de gloire, symbole de lumière. Ils ont vu l'étoile du roi. Chacun d'entre nous a une étoile. Et c'est cette étoile-là que le sorcier vient éteindre et te met dans l'obscurité la plus totale. Et que dans l'obscurité, vous savez ce qui se passe dans l'obscurité. Vous avez l'impression que vous êtes éteint. Vous avez l'impression que rien ne bouge. C'est ça l'étoile éteinte. On ne s'assoit pas. Il faut s'élever. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu changera la situation de ta vie. Je crois que Dieu changera beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. On ne s'assoit pas dans la prière. On ne s'assoit pas. Tant que tu n'as pas encore obtenu ton miracle, tu ne dois pas t'asseoir. Aucun démon n'est plus puissant que la puissance de Jésus-Christ. Jamais. N'écoutez pas les menaces du diable. Le diable peut vous menacer. Mais Dieu a le dernier mot. Le dernier mot appartient à l'Éternel. C'est ça que David disait face à Goliath. Il dit c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Moi, on me pose une interview. Est-ce que le prophète Crasso, tu arrives à dormir parce que tu es trop attaqué? Parce qu'on sait que la sorcellerie. J'ai dit, entre votre avis, qui donne la victoire à une personne? Il dit Dieu, il dit, mais il est avec moi, pourquoi y avoir peur? Amen. Amen. Dieu à mes côtés. Je n'ignore pas Dieu. Il est dans ma vie. Je marche avec beaucoup de fierté. Il n'est pas en dehors de ma vie. Dieu est dans ma vie. Et quand je pose un pied, je le pose avec Christ. Donc je n'ai pas peur. Quel que soit ton niveau de degré de sorcellerie, ça ne me dit rien. Absolument rien. Je sais ce que Jésus-Christ représente pour moi et pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ représente une force pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ, ce n'est pas un menteur. Il dit tout a été accompli. C'est ça qu'il faut s'accrocher à lui. N'ayez pas peur. Le diable, c'est un menteur. C'est le diable qui est menteur. Jésus est plein de vérité. N'ayez pas peur. Si vous attendez une information vous concernant, ne soyez pas attristé. Dieu peut changer la seconde. C'est tout le monde. Le cancer, c'est rien le cancer, c'est une maladie. Amen. Amen. Mais Jésus, la Bible déclare que c'est par ses maîtres aussi, nous sommes guéris. Moi j'ai vu des gens qui avaient le cancer que Dieu a guéri. C'est quoi l'insuffisance rénale? C'est quoi? Dieu peut changer, transformer encore les reins. Amen. Il peut encore te donner les reins. Amen. C'est quoi la stérilité? C'est quoi? C'est quoi? N'ayez pas peur. Croyez à la force de Dieu. Croyez à la puissance du Saint-Esprit. Dieu est puissant, Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que tu auras ton miracle. Dis amen. Amen. Je suis convaincu que tu auras ton miracle. Amen.